Nangs Reborn. Wow, extraordinaire. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yansoubonne. Ce que nous allons voir ici, c'est hors du commun. Claire Bailly, une ex-star du coupé décalé, a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Et elle a commencé à prêcher en lieu public, vraiment. C'est impressionnant quand même, il faut le reconnaître. C'est impressionnant. Vu là d'où elle vient, on se dit, mais waouh, donc Dieu peut transformer les gens encore. Jésus existe, sans doute. Dieu aussi existe. C'est incroyable, mes frères. Et c'est ce que nous allons voir ici dans cette vidéo. Mais avant, nous allons vous montrer son parcours, comment elle était avant et ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Soyez prêts. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Nous allons au studio pour voir les vraies choses. La vie qu'on a n'est pas une habitude, c'est que la grâce de Dieu, quand Dieu nous donne la possibilité d'être en vie, qu'est-ce que nous devons faire, mes frères et sœurs? Nous devons tout simplement l'adorer. Maintenant, regardez à l'écran. Un truc de ouf se passe ici. Un truc de ouf se passe ici, juste là à l'écran. Qu'on peut le voir, elle est ici. Il y a plus d'un an aujourd'hui, elle a annoncé officiellement qu'elle quittait le monde du coupé décalé pour chanter à la gloire de Dieu. Et c'est exactement ça. Beaucoup de personnes ont cru que c'était le buzz et qu'elle disait ça juste parce qu'elle était traumatisée vu la manière dont son ami DJ Arafat était parti. Un truc de ouf. Et aujourd'hui, je suis tombé sur cette publication où on pouvait la voir en train de prêcher juste là sur un véhicule et là dans la rue et les gens filmaient ça. Un truc hors du commun. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, donc sérieux, elle veut nous dépasser maintenant. Elle a commencé l'œuvre de Dieu, mais c'est bien. Quelle transformation. Quand on regarde son passé, à un moment donné, on s'est dit, mais waouh. Ah, donc c'est comme ça que tu transformes. Bon, ok, soyez prêts. Nous allons le voir sur le studio. Vous allez voir exactement de quoi je parle, où elle était, à quel niveau elle était, et là où Dieu est en train de l'amener. Soyez prêts. Maintenant, regardez ça. Vous voyez ça? C'était. Quand elle se trouvait dans le monde, en train de chanter, elle était vraiment dans toute sa gloire. Regardez. Quand vous voyez, c'est pas de la blague, c'est exactement ça. C'était ça sa vie. C'était ça son monde. Voilà. 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 Et c'était ça. Elle était occupée des danseurs, elle avait un public, elle avait beaucoup de choses. Waouh, comme vous voulez le voir, c'est exactement ça, c'est là où elle était, elle chantait, elle s'amusait et c'était ça, c'était une star, elle se faisait appeler la première dame du coupé décalé et suite à cela, son ami de tous les jours est décédé, suite à un accident brutal, alors qu'elle-même, elle devait faire un concert avec lui, tout ça, tout était prévu. Vraiment, c'est une chose qui l'a tellement dépassée qu'elle a vraiment pleuré. Même, je pense qu'elle a pleuré plus que tout le monde. Regardez maintenant l'écran. Quand vous voyez, elle est en pleurs. Elle a tellement pleuré. Elle a pleuré la disparition de son ami. C'était dur. Tellement dur. Elle avait même du mal à dire un seul mot. Mes frères et sœurs, c'est une chose que nous avons tous traversé ici. Même les vidéos que nous avons faites ici, on pouvait que vraiment, c'est une chose terrible. Vraiment, vraiment terrible que nous avons tous traversé. Et quelques temps plus tard, elle a eu un concert. Un concert que normalement son ami devait assister, mais la mort l'a emporté. C'est lors de ce concert-là même que
Elle a décidé de nous dire ouvertement qu'elle abandonnait tout et tout et tout et tout et tout pour se donner définitivement à Dieu, quoi. Parce que le monde, dans le monde, il y a trop de choses. Écoutons-la encore. Elle dit, c'est mon conseil de revoir. Sa parole devant les gens en plein concert, c'était même son dernier concert. Aïe 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 aïe, c'était même son dernier concert. Et waouh, elle a dit que vraiment la vie est remplie de méchanceté. Aujourd'hui, elle avait beaucoup de choses. Finalement, elle a décidé de donner sa vie à Dieu et elle s'en va. Elle est prête à y aller. Parce qu'elle pouvait sauver son âme au lieu de perdre son âme dans le monde. Ou de perdre son temps à pervertir la jeunesse. Et ce matin, je l'ai vu sur un véhicule en train de prêcher juste là dans la rue. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, il faut avoir un cœur pour faire ça quand même. Mais regardez ça d'abord, regardez ça. Parce qu'après
La suite de son message sera traité sous forme de témoin puissant dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire juste après cette vidéo. Nous allons écouter ce qu'elle a dit avec plus de détails, réagir et puis vous allez voir. Vous avez vu son parcours? Vous avez vu son parcours? Aïe, aïe, aïe. Donc tu existes vraiment, mes frères et sœurs. Dieu, il parle par des signes aujourd'hui. Si tu es perdu et que tu penses que Dieu t'appelle, n'hésite pas. Cherche Jésus. Range ta vie. Même si les gens vont se moquer de toi, même si les gens vont te traiter de tout le nom, Jésus t'aime. Et ça, ça te suffit. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis vraiment impressionné par la manière dont Dieu peut transformer les gens. Comme on dit toujours, la délivrance est un processus. Nous devons toujours prier pour elle et que Dieu la transforme encore, la transforme, lui donne de la force tous les jours. Je pense que c'est ce que nous devons tous faire. Qu'en pensez-vous? Ok, restez connectés et ne manquez pas la prochaine vidéo. Elle va parler, elle va dire des choses, elle va expliquer certaines choses. Nous allons le goûter en long et en large sous forme de témoignage puissant. Soyez prêts. C'est parti. Si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir, en cliquant sur ce bon pour aller sur la page d'accueil, vous allez voir à propos. À propos de la chaîne, ou bien juste en haut de la chaîne, si vous vous trouvez sur un ordinateur, vous allez voir me faire un don. Là, tous ceux qui veulent exprimer leur cœur et me soutenir vont le faire. Mais que ça vous vienne du cœur. Nangs Reborn.